Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de gym douce avec une chaise. Donc, on va commencer par se placer. Mettez-vous bien en bout de chaise. On n'utilise pas le dossier. Ici, on ne s'appuie pas. On se met bien en bout de chaise, les talons sous les genoux. Les pieds écartés largeur du bassin. Les mains sur les cuisses. Les os des fesses bien en appui et je redresse mon dos. On va placer les épaules, on les monte, les rejette vers l'arrière et on les laisse glisser loin des oreilles. On reste un instant pour se concentrer sur la respiration. Tranquillement, on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Pensez à vous redresser, à vous grandir tranquillement en soufflant. Inspirez doucement par le nez, laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir, éventuellement les clavicules monter vers les oreilles. Et soufflez. On laisse le ventre se rentrer, on va le garder tiré vers la colonne et on va commencer à mobiliser sa tête en regardant d'un côté, les épaules loin des oreilles, je regarde d'un côté, je souffle, j'inspire, je reviens de face et de l'autre côté, soufflez, tranquillement, inspirez, soufflez. Et inspirez. Gardez bien le regard sur l'horizon, loin. Inspire. Tournez la tête jusqu'à sentir un étirement entre l'oreille et l'épaule. Inspire. On garde toujours les épaules loin des oreilles. Inspire. Une dernière fois, on souffle. Inspire. On souffle. Et on inspire. On va maintenant dessiner avec son nez des huit verticaux. On va aller sur le côté, en bas, côté et en haut. Donc il y a des inclinaisons, des flexions, extensions. Là on tourne dans un sens. Donc repérez bien le sens dans lequel vous dessinez vos 8 et on change de sens. Donc on combine des flexions, extensions au niveau cervical, le menton qui se rapproche puis qui s'éloigne de la poitrine avec des inclinaisons. Stabilisez. Cette fois-ci, on va dessiner des 8 horizontaux. Le signe de l'infini d'un côté et de l'autre. Soit vous gardez les yeux ouverts, soit vous les fermez, comme vous voulez. On change de sens. Des 8 aplatis, allongés. On dessine le signe de l'infini avec son nez, avec son visage. Et on stabilise. Petit mouvement du pigeon, menton poitrine qui recule, menton plafond, tête qui avance. Je profite pour vous voyez, nuque qui recule, menton qui s'éloigne, tête qui avance. Et on poursuit. Le dos est toujours redressé, on n'oublie pas de respirer. On change de sens, hop, recule. Quand le menton avance, c'est comme un tiroir qui s'ouvre, quand le menton recule, comme un tiroir qui se ferme. Et on stabilise. On va faire des petits mouvements de droite à gauche, comme si un serpent se dirigeait vers le ciel. Essayez en même temps de faire ces petits mouvements, d'allonger la colonne, toute la colonne, jusqu'au sommet du crâne. Et on stabilise. On va s'occuper de nos épaules, on les place, inspirez, vous les désenroulez.
et vous soufflez, vous les accompagnez vers le bas. On va faire ces mouvements verticaux, on inspire, les épaules viennent dans les oreilles et on souffle. Les épaules descendent, les ischions s'appuient sur la chaise, au sommet du crâne va vers le plafond. Encore, inspirez. Essayez en soufflant de vous détendre tout en gardant le dos redressé. Encore, inspirez. Ma colonne reste bien alignée, hein, la nuque, le milieu du dos et le sacrum. Soufflez, cherchez une vraie détente dans les épaules, dans les cervicales, les trapèzes. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. On va garder les épaules détendues. Inspirez, montez les bras. Soufflez, on recule les épaules. Inspirez, on les avance. Je vous montre de profil. Soufflez, reculez les épaules. Inspirez, on les avance, les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Soufflez, les épaules reculent, la pointe des omoplates se rapproche. Inspirez, élargissez le haut du dos. Et soufflez. Essayez de sentir ce haut du dos large d'une épaule à haut, à l'autre. Inspire et souffle. Inspire, on garde les épaules basses, loin des oreilles, et on vient trouver la position intermédiaire. On resserre un petit peu son ventre, on allonge un peu sa colonne, on fait cercle de bras, souffle, monte les mains, les épaules ne montent pas, inspire. Et on souffle. Inspire. Et on souffle. Inspire. Essayez vraiment d'avoir les deux mains loin l'une de l'autre. Souffle. Inspire. On va garder les bras parallèles au sol. Une épaule qui va s'enrouler, l'autre qui se désenroule. Essayez que le tronc ne bouge pas. Les deux ischions sont plantés dans la chaise. Le mouvement part bien de l'axe central et se propage le long du bras de l'épaule vers le bout des doigts. Accentuez bien ces mouvements, mobilisez les épaules, mais stabilisez, immobilisez le buste. Il faut que vous sentiez que ça commence à chauffer au niveau de vos épaules un petit peu, sans avoir de douleur, bien évidemment. Et on va relâcher ses bras. Derrière le dos, vous allez entrelacer vos doigts. On va se pencher vers l'avant, monter les mains, relâcher la tête, relâcher le buste, bien allonger les bras, chercher un étirement dans les épaules. La tête est complètement en décharge. J'essaye d'allonger les bras et de les amener et d'amener les mains par-dessus la tête. N'oubliez pas de bien respirer, de garder la tête bien en décharge. On ramène les mains vers le buste et on va se redresser. On se replace. Alors, on va travailler, mobiliser un petit peu son dos. On va faire la flèche. Replacez-vous en bout de chaise, les talons sous les genoux, le ventre resserré, la colonne allongée. On monte les bras devant, on va s'incliner, venir si c'est possible joindre les mains. Si vous avez des problèmes de souplesse d'épaule, vous allongez sur le côté. Ventre sur cuisse, j'essaye d'allonger ma colonne du coccyx au sommet du crâne. J'essaye de bien aligner les bras avec le buste. Je vais travailler fortement dans l'étirement et dans le redressement, tous mes muscles du dos, les muscles qui me permettent de redresser le dos. Attention que les épaules ne glissent pas dans les oreilles. On cherche l'allongement de la colonne, le redressement du dos. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, respirez, soufflez.
On va relâcher les bras sur le côté, venir mettre les doigts à l'intérieur, se redresser. On fait dos rond. J'enroule un petit peu les lombaires, je regarde mon ventre, j'étire le haut du dos. Dos rond. Et puis dos creux. Les mains derrière. Attention de ne pas chercher à cambrer. Les mains derrière, c'est à partir du milieu du dos que je redresse et que je cherche à creuser. Dos creux à partir du milieu. Et je reviens en position neutre, intermédiaire. Cette fois-ci, les bras, on va les mettre en chandelier. On va ramener ventre sur cuisse. Et on va rajouter une rotation. J'ai toujours l'allongement de la colonne. Mes deux coudes vont bouger en même temps. Un qui monte, l'autre qui descend. Souffle quand tu vas sur le côté. Inspire, reviens. De l'autre côté, souffle. Inspire, reviens. Essaye de garder le dos redressé. Pas de bosse au niveau du milieu du dos. Garde les épaules loin des oreilles. Souffle. Un coude qui monte, l'autre qui descend, les deux en même temps. Inspire. Les coudes, les épaules sont loin l'une de l'autre. Souffle. Inspire. On essaye de bien chercher cette rotation depuis les obliques, dans le dos aussi. Inspirez, allongez toujours la colonne, gardez les épaules loin des oreilles, soufflez, inspirez, allez, dernière fois, cherchez à sentir votre dos large, votre dos long, inspirez, revenez une dernière fois, soufflez, inspirez. Et relâchez, on va arrondir son dos, allez attraper les pieds de la chaise, bien relâcher la tête et les épaules. Et on se redresse. On va mobiliser un petit peu ses jambes, mais en fait ce sont les grands droits qui vont travailler, vos abdos. Vous devrez faire un travail de redressement du dos permanent pour travailler en excentrique ses grands droits. On se tient sur l'assise, on est toujours en bout de chaise, toujours bien placé. Donc on va travailler ses abdos, on monte un petit peu le genou, on allonge la jambe de la hanche jusqu'aux orteils, souffle, inspire, revient et on change de jambe. Les deux ischions restent bien plantés dans la chaise, souffle. Et inspire, reviens. Ce qui est important, c'est de donc redresser son dos. J'inspire, je monte. Je souffle, j'allonge. J'inspire, je fléchis. Je souffle, je pose. Et j'inspire, j'allonge. Je serre la cuisse, je redresse mon dos, mon ventre travaille. J'inspire et je repose. Essayez vraiment de ressentir les choses. Je redresse mon dos depuis mon ventre. Je monte mon genou depuis mon ventre, j'allonge ma jambe depuis mon ventre encore, même si le quadriceps travaille. Inspire et repose. Ok, inspire et souffle. Inspire et souffle. On fait plusieurs fois avec une jambe. Inspire, monte. Souffle, allonge. Inspire et repose. On garde le dos redressé, le ventre resserré. Inspire, monte. Souffle, allonge. Inspire et repose. Troisième fois. Inspire, souffle, inspire et repose. Encore deux fois. Je plante mes ischions dans le sol. Je resserre mon ventre. J'allonge ma colonne. Souffle. Inspire et reviens. On monte le genou. On allonge la jambe et on fait 10 petits battements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 et 10. On fléchit et on pose. On fait ça de l'autre côté. On pense à resserrer son ventre, redresser son dos. Le genou qui monte depuis le ventre. J'allonge ma jambe depuis le ventre. Souffle. Inspire et pose. Inspire. Souffle. Inspire et pose. Inspire.
Souffle, le quadriceps travaille, inspire. Cherchez à allonger la jambe depuis la hanche. Ne cherchez pas à tendre le genou. L'intention, c'est j'allonge ma jambe depuis mon ventre en fait. Hein. Inspire et repose. Inspire, souffle, inspire et repose. On va faire les 10 petits battements. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fléchit et on pose. On va faire quelques étirements. Vous décalez sur le côté, mais vous gardez les deux os, les deux ischions sur la chaise. Il ne faut pas que vous ayez un ischion dans le vide. On va ramener les pieds à la fesse. Cherchez l'étirement du quadriceps. Cherchez la rétroversion du bassin. Donc le coccyx doit revenir vers l'avant pendant que le genou recule. Allez, on reste 10 secondes en ressentant l'étirement. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9 et 10. On va mettre son pied sur son genou et tirer le fessier. Donc j'ouvre le genou, je fais pied flex, dos redressé, j'incline, je ferme le tronc sur la cuisse. Ici j'ouvre mon genou. Une fois que je ressens mon étirement, je le maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le dernier. Ici, je me décale légèrement pour avoir la place de poser mon pied. Je viens poser mon pied. J'attrape mon genou. Et je cherche à plaquer ma cuisse contre mon buste. Je me redresse. Je laisse la fesse reculer. Je dois sentir mon étirement dans la fesse. Un petit peu différent de celui de tout à l'heure, juste avant. Et une fois qu'on ressent l'étirement, on maintient pour 10 secondes en respirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait ces étirements de l'autre côté. Donc d'abord le quadriceps. Je garde mes deux ischions sur la chaise. J'attrape le pied. Je me maintiens à l'assise. Je bascule en rétroversion le bassin. Je recule mon genou. Je resserre mon ventre, j'allonge ma colonne et reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens au milieu de ma chaise. J'ouvre le genou, le pied est flex, mon dos est redressé, je suis bien sur mes deux ischions. Je m'incline dos droit, je cherche l'étirement dans la fesse. Et je le maintiens en soufflant, en respirant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernier, je me décale pour pouvoir poser mon pied. Je me replace. J'attrape mon genou, je me redresse. Et j'essaye de rapprocher ma cuisse de mon buste et le buste de ma cuisse. Je laisse reculer ma fesse, j'essaye de la relâcher pour qu'elle s'étire. Et reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc tout à l'heure, on a monté un genou à la fois. Cette fois-ci, on va essayer de monter les deux genoux ensemble. Pour cela, mettez-vous bien au bout de chaise, inclinez-vous un petit peu vers l'arrière, venez en appui sur vos mains. On va monter les deux genoux ensemble en contrant le bas de son ventre. Je souffle, je monte, j'inspire, je redescends. On n'est pas obligé de retoucher le sol. Souffle, inspire et souffle, inspire et souffle. On travaille bien avec son ventre. Je rentre le bas du ventre. Inspire. 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 On essaie de se redresser en même temps. Et souffle. Allez, on fait ça encore deux fois. On rentre le bas du ventre. Un. On ramène bien le genou vers la poitrine.
Et deux. Ok. On va travailler un petit peu les torsions, les rotations. Ça, c'est spécial pour Jacqueline du mardi, si elle me regarde. Petit clin d'œil. Et donc, on va s'incliner ventre sur cuisse. On va tourner le buste d'un côté, venir placer son épaule sur le genou opposé. Donc, je cherche une torsion. Attention que les pieds ne se décalent pas et je vais déployer mon bras vers le plafond sans chercher à le tendre. Je cherche surtout une rotation de ma cage thoracique. Et je reste juste le temps de bien sentir cette rotation. Je respire. Disons qu'on va maintenir aussi 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Prenez bien appui sur votre genou. 6, 7, 8. 9 et 10. On va passer par devant pour changer. On est toujours ventre sur cuisse. Là, l'épaule qui vient chercher le genou. Et je déploie sans chercher à tendre le bras qui est au plafond. Je prends appui, épaule sur mon genou. Je cherche la rotation de la cage thoracique. Et on reste. 1, 2, 3. 4, je prends appui sur mon genou, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient de face. Cette fois-ci, on va mettre un avant-bras sur ce genou, ici on appuie et on déplie le bras au plafond. Cette fois-ci, on ouvre, on cherche un étirement dans l'épaule ici, dans la poitrine. Je prends appui avec mon avant-bras sur mes genoux, les deux pieds ne sont pas décalés. Et j'allonge ma colonne, reste 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de côté, l'autre avant-bras. Et ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regardez bien le ciel. 9 et 10. Et on revient de face. Rotation en restant vertical. On va tourner sa poitrine d'un côté, venir chercher le dossier avec son avant-bras. S'il est un petit peu haut, prenez plutôt sur le côté. Donc je tourne la cage thoracique, j'ai une partie qui recule, l'autre qui avance. J'ai le bord de la cage thoracique là qui se rapproche de l'épine iliaque. Je trouve un appui sur ma cuisse, mes deux pieds ne sont pas décalés, mon dos est droit. J'essaye de tourner perpendiculairement la ligne des épaules par rapport au bassin. La rotation doit être progressive et du bas vers le haut. Les ischions plantés dans le sol, c'est comme une vis montante. Vous devez sentir la rotation au niveau des abdos, la cage thoracique qui tourne, les épaules et enfin la tête. Surtout ne pas faire partir le mouvement de la tête ou des épaules. Et là, avec le bras derrière, cette fois-ci, je prends appui sur le dossier de la chaise et je me redresse. Donc, progressive, cette torsion, cette rotation, et du bas vers le haut, toujours en se grandissant et en restant vertical. On va enlever le bras. Revenir devant, vous pouvez faire un petit dos rond, dos creux, et on fait ça de l'autre côté. Donc, je tourne la cage thoracique, je trouve appui sur mon dossier, sur le dessus s'il n'est pas trop haut, là il est un petit peu trop haut pour moi, il faudrait que les deux épaules restent à la même hauteur, et je trouve appui là sur ma cuisse, je tourne la cage thoracique. Et je pense bien à cette vis montante du bassin vers la tête, progressivement. J'ai deux appuis, hein. Un appui sur le dossier, un appui sur la cuisse qui me permettent d'accentuer cette rotation. Donc, laissez monter la rotation, tournez, tournez, tournez. N'oubliez pas de respirer. Et on rajoute ici
la main en appui. Et on revient. Ok. On peut faire un petit relâché du dos, des épaules, de la nuque. Écartez bien les genoux pour que le buste puisse descendre plus bas que les cuisses. Et on se redresse. On va poursuivre par un petit travail des jambes. Alors, je vous montre ici de face. Les talons se touchent, les genoux vont se fléchir. Je dois rester vertical pendant que les genoux se fléchissent. C'est le coccyx qui descend et je pousse dans les talons. Donc on fait ça en restant proche de la chaise. Donc j'ouvre mes pieds, mes genoux. Je ne laisse pas mes fesses aller vers l'arrière. Je resserre mon ventre. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Imaginez que vous avez quelque chose sur la tête. Si vous vous penchez, cette chose va tomber. Et souffle, monte. Inspire, on descend le long de l'axe vertical en ouvrant les genoux et pousse dans les talons. Souffle. Inspire. Et pousse dans les talons. Souffle. Essayez de bien ressentir tous les muscles qui travaillent. Gardez le ventre resserré. Poussez dans les talons, allongez les jambes. Et inspirez. Et soufflez bien le long d'une ligne verticale. Inspirez. Et soufflez. Allez, encore deux fois. Inspirez. Et soufflez. On va écarter un petit peu plus ses pieds. Cette fois-ci, en descendant, j'essaye de descendre les cuisses parallèles au sol. Hop, hop, parallèles au sol. Et je pousse dans les talons. Je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. On cherche bien à ouvrir depuis les hanches, les genoux au-dessus des orteils. Et je souffle en remontant. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Inspire, descend. Et souffle, remonte. Essayez vraiment d'allonger la colonne. Là, quand vous remontez, comme si le coccyx tirait vers le sol, sommet du crâne vers le plafond. Le bassin loin des épaules, les épaules loin du bassin, une colonne bien allongée. On met une petite variante. Ici, quand les cuisses sont parallèles au sol, je monte sur pointe. Je redescends et je remonte. Je conserve une belle ouverture de hanche, les genoux écartés. Hop, pause et remonte. Là. C'est l'exercice qu'on avait fait avec Marine sans utiliser la chaise. Là, ça vous permet de garder le dos bien placé. Et allez, vous devez commencer à sentir les cuisses qui chauffent. Les mollets aussi peut-être. Et souffle en longtemps. Inspire. Et souffle en longtemps. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, on fait encore deux fois, bien impliqué, inspire, bien appliqué aussi. Et une dernière fois, inspire. Et allez, on finit avec des petits étirements. Voilà, la séance est terminée. On fait quadriceps, pied à la fesse. Le même que celui quand on était assis, hein, pied à la fesse. Allez, on maintient 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire tous les étirements avec la même jambe, puis on fera l'autre jambe après. Derrière de cuisse. Hop. Je remets bien mon bassin de face. J'essaie de redresser mon dos. C'est le bas du ventre qui se rapproche de la cuisse. J'allonge ma colonne et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On plie sa jambe, on recule son pied, on remet bien le bassin de face.
On fait plusieurs actions en même temps. C'est je remets mon bassin de face. J'allonge ma jambe en essayant de ne pas fléchir mon genou. Et je tire le talon vers le sol. Bassin de face, jambe allongée, talon vers le sol. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène un petit peu son pied, on fléchit son genou qui va vers le sol. Normalement, le genou doit être au sol. Donc, hop. C'est moi qui suis trop petite. Ou alors, la chaise qui est trop haute. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait tout ça de l'autre côté. Alors, le quadriceps. Serre le ventre, on allonge la colonne. 7, 8, 9 et 10. Derrière deux cuisses. Remettez bien le bassin de face, redressez le dos, c'est le bas du ventre qui se rapproche de la cuisse et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pied à plat sur la chaise, je recule mon pied derrière. Donc les trois actions, bassin de face, allonge la jambe, tire le talon vers le sol. Bassin de face, allonge la jambe, tire le talon vers le sol. Allez, on reste. 1, 2, c'est presque fini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène son genou. Là, on a une bonne flexion de la cuisse sur le tronc. Et là, on a une ouverture au niveau de la hanche. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et alors, la séance est terminée. J'ai oublié de vous montrer le petit exercice pour les triceps, ceux qui veulent le faire, inclure dans la séance. Ici, on ouvre ses épaules, on resserre son ventre. On peut faire des toutes petites flexions si on a des problèmes d'épaule ou un petit peu plus grand. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien sentir l'étirement, donc je descends suffisamment et je remonte. On les fait ensemble. Allez, on essaye pour 10. Vous pouvez varier les rythmes aussi, aller lentement ou plus vite. Et 2, inspire, descend, soufflement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On n'oublie pas les étirements. Allez, on attrape son coude. On descend la main le long de la colonne. Ne cambrez pas, resserrez le ventre. Si vous voulez rajouter une petite inclinaison. Et on revient. On fait ça de l'autre côté. Inspire. On descend la main le long de la colonne et sur le côté. On se redresse et voilà pour aujourd'hui une séance avec une chaise.
Donc vous avez vu par rapport aux autres vidéos, il y en a un petit peu pour tous les goûts, de l'intensif, du moins intensif, du pilate pur, du pilate mixte avec du gainage. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions, je vous l'ai déjà dit. Et passez une bonne journée. À bientôt.